Eh bien salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Depuis 5 ans je donne des conseils pour les voyageurs qui partent en sac à dos essentiellement en Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande et là je suis actuellement en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui je vais aborder 4 points, 4 raisons pourquoi il faut-il quitter sa zone de confort. Alors pour la petite histoire, je suis parti donc janvier 2012 en Australie lors d'un premier PVT en Australie, une deuxième en 2016. J'ai fait aussi la Nouvelle-Zélande et là je suis en Nouvelle-Calédonie. Donc vous l'avez bien compris, j'ai quitté ma zone de confort. Ça fait quasiment 2 ans et demi que je voyage en Océanie avec 3 ans d'arrêt en France. Et finalement, j'avais quitté ma zone de confort à l'époque. Je savais ce que je quittais, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais retrouver à l'arrivée. Alors c'est totalement naturel, rassurez-vous. Les personnes qui vont regarder dans cette vidéo, il y a peut-être des gens, c'est leur premier voyage. Vous allez être totalement dans le flou. Alors le premier point, c'est de retrouver les choses simples de la vie. Lorsqu'on est dans une routine au quotidien, métro, boulot, dodo, vous travaillez pour un patron, vous avez 9h18 dans un bureau. Finalement, vous avez le temps de rien faire, vous n'avez pas le temps de profiter de la vie, de prendre un petit café au bord de terrasse, le week-end vous êtes fatigué et finalement vous passez les choses essentielles de la vie. Et lorsque vous allez partir à l'aventure en sac à dos, en tour du monde, vous allez retrouver finalement ces choses simples de la vie. Vous allez pouvoir profiter, aller à la plage, faire de la rando, vous allez avoir du temps. Le problème c'est que lorsque tu es pris dans un engrenage avec 5 semaines de vacances par an, tu n'as pas le temps. Lorsque tu travailles toute la semaine, le week-end, tu n'as pas le temps. Tu as à peine le temps pour tes amis, tu as à peine le temps pour ta famille. Le peu de temps que tu vas louer, ça va être éventuellement pour ton copain ou pour ta copine. Vous l'avez compris, vous passez à côté des choses essentielles de la vie. C'est pour ça que moi, je suis aujourd'hui auto-entrepreneur. J'arrive à gérer mon temps et j'ai géré mon timing. Je contrôle totalement ma vie. Deuxième point, finalement, c'est que tu te rends compte que tu n'as pas besoin de toutes ces choses matérielles. C'est-à-dire que lorsqu'on est pris dans une routine quotidienne, métro, boulot, dodo, tu t'inventes un besoin, tu as toujours besoin du dernier smartphone parce que tu es pris dans un engrenage. Il y a pas mal de gens qui habitent dans les villes. Moi-même, j'habite dans les villes et finalement, tu t'inventes des besoins, tu as toujours besoin d'un dernier iPhone. Alors moi, je ne suis pas du tout comme ça, mais il y a pas mal de gens. Finalement, ils sont plutôt matérialistes et ils passent à côté des choses essentielles, c'est-à-dire des souvenirs. Et vous pouvez acheter donc les meilleurs iPhones, les meilleurs trucs, ce n'est pas ça qui va vous faire voyager. Mais au final, vous passez à côté de plein de choses. Votre argent, finalement, vous placez dans du bien matériel, dans des belles voitures, dans des beaux 4x4, dans des beaux bateaux. Mais finalement, tous ces voyages, ils passent à la trappe. Le fait de voyager en sac à dos, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas besoin de toutes ces choses-là. Alors, si vous êtes photographe ou comme moi, vous faites de la vidéo, vous avez besoin d'un minimum de matériel. Donc ça, j'appelle pas ça être matérialiste. Mais vous attachez beaucoup plus d'importance à la vraie vie, c'est-à-dire la nature, la randonnée, la plage, la rencontre des gens. C'est ça la vraie vie, c'est ça ne pas être matérialiste. Il y a un troisième point qui est très important. Lorsque je suis parti en 2012 en sac à dos, je ne dis pas que j'étais timide à l'époque, mais j'étais assez réservé. Et lorsque je me suis retrouvé dans mon auberge jeunesse à l'époque, j'étais totalement tétanisé. Est-ce qu'il fallait que j'allais vers les autres? Il fallait parler anglais? Je n'osais pas me lancer, j'avais peur. En fait, j'étais totalement tétanisé. Le fait d'aller vers les autres, je me suis retrouvé dans ma chambre d'hôtel, enfin ma chambre dans mon backpack à Sydney. J'étais vraiment bloqué et je me suis dit, bah écoute, il faut y aller, il faut foncer. L'avantage, c'est qu'à l'époque, j'étais parti seul et du coup, je me suis ouvert totalement vers les autres. Et en fait, je me suis vraiment ouvert. J'ai allé vers les autres, je discutais, je rencontrais. Je parlais en anglais, j'avais pas peur du ridicule. Et en fait, vous allez voir qu'en fait, le fait de voyager, vous n'allez pas hésiter une seule seconde à aller vers les autres parce que vous n'allez pas avoir le choix. Sinon, vous allez vous retrouver tout le temps tout seul. Donc pour vous faire des opportunités dans le travail, par exemple en Australie, se créer un réseau, se faire des soirées, se faire des rencontres. Vous allez être beaucoup plus ouvert lorsque vous allez revenir. Il y a sûrement même un décalage qui va se créer entre votre perception de la vie et tous vos amis. Vous allez être en petit décalage parce que tout simplement, vous êtes beaucoup plus ouvert que les gens qui sont restés et qui sont stagnés en France. Vraiment, alors je ne dis pas que voyager, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est une finalité, mais ça m'a permis vraiment d'avoir confiance en soi, de se dire finalement, je l'ai fait, je suis parti en sac à dos, je suis parti de rien. J'avais juste un billet en poche et j'ai réussi à faire tout mon trip de A à Z. Alors aujourd'hui, avec la technologie, c'est pas très compliqué. Il y a tellement d'applications pour réserver votre hôtel en 2 secondes, réserver votre voiture, faire votre itinéraire. Il y a plein d'applications pour ça. Mais en tout cas, vous allez être fier de vous. Vous allez prendre beaucoup confiance en vous. Le quatrième point, bien sûr, lorsque vous allez quitter votre zone de confort, vous allez arriver dans un pays étranger. Alors pour les gens qui suivent ma chaîne YouTube, c'est des gens essentiellement qui partent en Australie, en Nouvelle-Zélande, et éventuellement en Océanie, donc dans les îles à côté. Alors, bien sûr, lorsque vous arrivez en Australie ou en Nouvelle-Zélande, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout la même culture qu'en France. Alors, ce n'est pas du tout un choc culturel, vous n'allez pas arriver en Inde, vous n'êtes pas au Brésil. Mais ceux qui tombent sur cette vidéo, vous allez être d'accord avec moi, vous allez vous rendre compte rapidement que vous allez apprendre plein de choses. Très concrètement, là, je suis en Nouvelle-Calédonie, donc c'est un territoire français. Mais indirectement, il y a plein de choses qui sont différentes par rapport à la France. Et c'est ça qui est passionnant. C'est le fait de dire, finalement, ils ne mangent pas comme nous. Ils n'ont pas les mêmes horaires. Ils n'ont pas les mêmes habitudes. Il y a des traditions qui sont totalement différentes. Et pour moi, le voyage, c'est ça l'essentiel. C'est d'apprendre finalement les petites choses, les petits rituels de la vie qui sont différentes par rapport à son propre pays d'origine. Et vous allez voir, vous allez adorer.
Moi, j'adore me balader, j'adore apprendre plein de choses, aller vers les gens, aller au contact. Alors, c'est pas forcément facile, ça dépend bien sûr des pays. Si vous avez suivi mes vlogs à Bali, je me suis vraiment totalement perdu au milieu des habitations. Et en fait, finalement, vous pouvez rentrer en contact avec les gens et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de parler la langue. Le langage des signes, ils vous offrent un petit café. Et franchement, ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est pas le monde des bisounours, c'est sûr. Mais vous allez pouvoir vraiment aller au contact des locaux. Il faut savoir donner et recevoir. Et sous un peu de chance, vous allez même pouvoir être hébergé. Enfin, vous allez voir, ça va vous créer énormément d'opportunités, de rencontres. Et vous allez prendre aussi confiance en vous par rapport à ce sujet, de découvrir d'autres cultures. Et en fait, finalement, les gens qui ne voyagent pas, c'est des gens qui sont indirectement pas très ouverts. Alors, je ne dis pas qu'il faut voyager impérativement, mais indirectement, quand vous allez voyager, vous allez vous rendre compte qu'il faut quand même s'ouvrir un minimum pour être rentré en contact. Alors, il y a des pays, bien sûr, où vous allez pouvoir parler la langue. Moi, je parle par rapport à mon expérience, mais je sais que j'ai pu aller récemment à Bali. Et c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir parler la langue, c'était super bizarre. Et en fait, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de parler une langue, tu as juste besoin en fait, de t'ouvrir et d'apprendre une nouvelle culture. Et en fait, le fait de t'ouvrir aux autres, tu vas partager une nouvelle culture. Et je pense à cette vidéo, ma dernière vidéo dans la ville d'Ahmed, où j'étais vraiment chez les gens. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Voilà, j'espère qu'il y a pas mal de gens qui vont se retrouver dans cette vidéo. Les gens qui sont partis en sac à dos ont forcément quitté sa zone de confort. J'en suis sûr, vous avez appris énormément sur vous. Vous avez pris du recul. Il y a sûrement encore d'autres raisons. Il y a plein de gens de partir en sac à dos. Moi, j'en ai relevé 4. J'espère que ça va vous influencer, que ça va vous donner envie de partir. N'hésitez pas à vous abonner à la fin de la vidéo, à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire. Et j'espère que je vais donner et motiver les gens à partir en sac à dos. Allez, salut les amis, à bientôt.